J'ai besoin un petit peu de me dégourdir les jambes là. Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue le format dans lequel je vous propose de faire une instru à partir d'un a cappella. Aujourd'hui on continue le principe, ok, parce que je suis trop content de faire ça. Et d'autant plus que ça vous plaît. Vous l'avez lu au titre les amis, aujourd'hui on va s'occuper d'utiliser un a cappella d'un artiste que j'aime énormément. À savoir que je ne suis pas difficile, j'aime absolument tout, hein, dans la musique, tout. Moi je fais partie de ces animateurs un petit peu à la radio qui sont toujours là à dire on vient d'écouter ce fameux son, c'était Alan Walker, mon artiste favori en ce moment quand je pousse à la salle, vraiment. On continue avec Travis Scott. La musique elle passe, c'était Travis Scott, mon artiste favori en ce moment quand je pousse à la salle. Mais ils font toujours ça, et bah moi je suis un peu pareil. L'artiste dans lequel je vais m'occuper aujourd'hui, ça n'est autre que The Weeknd. J'ai pris une voix un peu rock pour faire genre. Forcément que vous le connaissez, c'est sûr 800 000%. C'est sûr à la radio, sur YouTube, sur absolument n'importe quelle plateforme, il est top de tout, voilà. Il a ce style bien à lui dans lequel il arrive à remettre au goût du jour des anciens styles musicaux, je dirais vers les années 80, qu'il arrive à remettre au goût du jour. Je trouve ça magnifique. En fait, ce qui m'a donné envie de faire ça avec lui, c'est tout simplement parce que je l'aime bien. Voilà, est-ce qu'il y a besoin d'autres raisons? Pas forcément. Il est beaucoup trop chaud. C'est un des artistes actuels qui a une vraie voix. Bon, ok, il utilise de l'autotune comme à peu près tout le monde. Mais même quand il fait des lives ou quoi, il a cette voix qui est bien à lui et qui va en plus avec le style qu'il veut refaire un petit peu des années 80. Il a cette voix un petit peu moi Michael Jackson, mais vas-y c'est pas vraiment ça, mais tu m'as compris dans l'idée. Ah oui les amis, j'ai oublié de vous préciser, mais cette vidéo est sponsorisée par Festview. Je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo, mais il y a des petits concours tout ça, donc restez là, restez là, là, là. Écoutez, je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Je vais faire un banger. Non, je sais pas ce que je vais faire avec cet a cappella, mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que je sais pas. Enfin bref, fais un truc en utilisant l'a cappella de The Weeknd. C'est pas. Ok, let's go. Ok les amis, j'ai ici l'a cappella que je vais commencer directement pour des raisons de démonétisation. Et en plus, je suis bête parce que c'est un point qui était essentiel que j'ai pas fait sur la vidéo où je fais un banger avec l'a cappella d'Ariana Grande. C'est que j'ai absolument pas joué avec le pitch de sa voix ou même le tempo. Et du coup, je suis bête parce que ça aussi c'est important, tu vois, pour changer. Ça garde le côté l'a cappella de l'artiste, mais en même temps, tu donnes encore un peu plus de texture, tout ça. Et je suis bête de pas l'avoir fait. Donc là, je vais commencer par descendre en vrai de 1. Allez. 3, on va voir ce que ça donne. Ok, je kiffe déjà bien. Donc, première chose à faire les amis, c'est que je vais commencer par prendre un piano et trouver des accords qui peuvent fonctionner. Donc des fois en fait l'idée, c'est pas forcément que ça va être des accords différents que la réelle musique, mais c'est l'approche. Et aussi les drums, aussi le rythme que je veux donner, etc. Donc faut pas forcément se dire que ah merde, j'ai pris exactement les mêmes accords, c'est nul et tout. Non non, en vrai pas du tout. Donc je vais commencer par prendre mon petit piano. Ok. Swag. Donc je commence par chercher des accords, on se retrouve tout de suite. Les amis, alors, je suis désolé pour la lumière, c'est pas incroyable. Je vous dis la vérité, c'est que je les ai trouvés pratiquement à l'instant T. Incroyable, j'aime, je suis amoureux. Donc j'ai trouvé les accords, les amis, comme vous avez pu l'entendre, ça donnait donc ça. Donc ça commençait par un Fa. Après c'était un La mineur. Et on finit par un Sol. Et on répète. Et voilà, j'ai tous les accords et ils sont... magnifique comment ça déglingue. Ok les amis, donc ce que je vais faire, c'est que je vais record ce moment là au piano. On va revenir et je vais continuer la suite tout simplement. Maybe I'm going through... Oh là 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 là. Ok, du coup le petit piano on l'a terminé. Je vais l'enlever des basses fréquences. Ok les amis, je suis conscient que la voix fait presque tout dans la musique. Parce que là j'ai mis que un seul piano. Je suis déjà baladé. Genre je suis déjà dans un autre monde là. Tout va bien, c'est incroyable. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller dans Pigment, qui est un VST que je ne prends pas des masses. Je l'utilise pas assez je pense. J'aimerais bien une séquence, quelque chose qui fasse. Genre.
tu vois, comme ça. Incroyable. C'est fou, c'est fou. J'espère que ça va faire bien, parce que je le kiffe énormément. Ça se balade, ça se balade. C'est fabuleux, je suis, j'adore. J'espère que vous aussi vous appréciez. C'est que le début, mais j'adore ça. Ok, maintenant qu'on est bon, je vais quand même rajouter une troisième mélodie. Après, on va peut-être passer aux drums ou je vais rajouter une guitare. J'ai peut-être une idée d'un truc. Quoi qu'il se passe, là, je vais chercher une troisième mélodie. Mais juste avant ça, laissez-moi vous parler de Festview. Vous allez kiffer. Franchement, ah, vous allez kiffer. Pour faire simple, c'est une encyclopédie musicale participative, collaborative. En gros, on va prendre un exemple très très simple, très précis. On va aller sur Festview, d'ailleurs je vous emmène avec moi, c'est parti. Donc ça se présente comme ça, là on est sur le site officiel. Par exemple, aujourd'hui on traite le sujet de The Weeknd. On est là, je suis là, moi-même j'essaie de rechercher des trucs sur lui. Donc écoutez, je viens ici, j'écris The Weeknd. On a ici l'artiste. Je clique dessus et alors là, je vais avoir droit à plein de choses à propos de lui. Par exemple, je vais avoir droit à toute sa discographie, tout est direct là, des vidéos. Et on a ici quelque chose de très important, c'est des petites anecdotes croustillantes. Donc là, ok, c'est cool, c'est sympa, voilà. Mais c'est plus que ça, parce que toi qui es derrière ton écran, tu peux y ajouter ta patte. Tu peux rajouter des anecdotes, un truc que t'as vu sur un site, sur un Wikipédia, mais qui n'est pas sur le site Faceview. Tu peux rajouter toi-même, par exemple, et bah j'ai vu que sur Wikipédia, il avait fait tel truc. Donc tu vas aller sur Faceview, rajouter toi-même avec ton compte, tu vas rajouter telle anecdote, tel disque, tel collab que personne n'avait entendu, nanana. Donc c'est cool, t'as rajouté ta patte et t'as des récompenses en faisant ça. Vu que tu participes en améliorant le site ou en rajoutant des choses, eh bien tu vas gagner des points. Voilà, c'est un système de points, tu vas gagner des petits points par-ci par-là et évidemment, ces points sont reconvertis en cadeaux. Regardez-moi ça s'il vous plaît. Admettons, t'as fait 5000 points, tu viens ici, t'es là avec tes 5000 points. Tu fais tes courses. Ok, 5000 points pour commencer, vas-y, je prends ça. À l'heure où je tourne, c'est pas encore disponible, mais vous, pour vous, allez dans la description. Il y a une page Faceview sur moi dans laquelle il y a des drum kits. Donc ça veut dire qu'en plus des récompenses que je viens de vous montrer, en récompense, il y a mon drum kit, si vous voulez. Plus tu contribues au site, plus tu gagnes des cadeaux, des points, etc. De nouvelles fonctionnalités vont bientôt être ajoutées, dont les secrets de production. Voilà ce que c'est que Faceview, je trouve ça fou. Regardez, vous avez vu, j'ai même ma petite page ici, là, c'est quand même fabuleux, ça. Et en plus de tout ça, les amis, il y a un concours. Faceview et moi, on vous fait remporter une paire d'AirPods. Que c'est pas cool ça. Pour participer, c'est très simple. Vous allez dans la description sur mon Instagram. J'ai fait un post sur lequel je vous parle de toutes les modalités pour participer. Donc allez checker ça en description sur le Instagram. Je remercie encore Faceview d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous laisse avec la suite. Bonne vidéo. Bien évidemment, vous retrouverez toutes les informations en description ainsi que le lien pour accéder à Faceview. Ah oui, j'avais oublié, mais il y a évidemment un code promo. Si tu te crées un compte et que tu rentres ce code Raven500, tu as automatiquement 500 points d'ajouter. Ça veut dire que t'as même pas rentré une seule anecdote ou quoi que ce soit, t'as déjà 500 points bonus. C'est comme ça, c'est cadeau. Oh, un pad. Pourquoi pas, hein, c'est simple, c'est classique, mais tu... En fait, je l'ai pas vu comme un pad, mais plutôt comme une lead. Donc je vais essayer des trucs, j'aime bien les petits... Pas tout le temps, en fait, comme un pad, du coup, que je voulais faire, mais plutôt des petites touches que je vais apporter. Je trouve que ça va être pas mal, je vais essayer ça. J'ai une bête d'atmosphère là. Les amis, j'ai envie de rajouter une guitare. Non mais aussi là, c'est ça de me prendre par les sentiments. Bah oui, c'était encore. Ah bah il est là. Le gars est con quoi. Comme une banane. Waouh, elle serait encore un petit peu accordée. C'est fou ce qui se passe là. Alors là. Thank you.
Bonjour, je suis Frédéric de Carglass. Les amis, je suis censé actuellement, là tout de suite, être le Raven du montage. C'est-à-dire que là, je suis en plein montage, normalement, de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Mais pourquoi je me retrouve en face de vous? À partir de la séquence que vous venez de regarder, mon PC a cessé de rec. C'est-à-dire que tout est tombé dans les oubliettes. Je viens de m'en rendre compte que maintenant, parce que quand j'étais en train de faire la musique, quand j'étais en train de faire la vidéo, je m'en suis pas rendu compte parce que c'était juste un cut. Moi, ça m'a rien fait de différence. Et là, pendant le montage, je viens de me rendre compte que du coup, j'ai tout perdu. Donc c'est pour ça que tout de suite, je vais vous montrer toutes les choses que vous avez pas pu voir après la séquence qui vient de se couper littéralement devant vous. Là, je vous ai coupé l'herbe sous le pied, là, les amis, hein. C'est comme ça. Donc, on y retourne. C'est parti. Du coup, je vous avais arrêté au moment où j'allais commencer les drums. Donc, du coup, vous pouvez voir que le projet, il est comme ça. Il se situe de manière jolie, quoi. Voilà. Donc, je voulais pas montrer, mais j'ai rajouté une petite voix qui est celle-ci. Et avec le piano, ça rend incroyablement bien, écoutez. Oh là là. Alors, j'ai commencé par mettre un clap de mon drum kit. C'est le speed, pour ceux qui veulent vraiment savoir. Très simple, très efficace. On continue. À cela, j'ai rajouté des rimes, un conga, des petites open hats. Jouer un petit peu, pas chacun en même temps, évidemment, mais à des endroits un petit peu spécifiques. Ce qui nous donne ça. Voilà, c'est très prononcé, j'aime bien. J'ai rajouté une petite ligne de hat qui donne comme ça toute seule. Bon, c'est vrai que tout seul, ça sonne pas de ouf, hein, mais du coup, avec ce qu'on avait dit depuis le début, ça donne ça. À ça, on vient amener un bon kick des familles. J'ai ajouté un petit API 550B sur le kick, ce qui fait que je vais pouvoir jouer avec les fréquences, lui donner un petit peu plus de punch parce que je trouve qu'il est un petit peu trop clean et trop oomph. Du coup, il est un petit peu trop neutre. Du coup, je lui ai donné un petit peu de caractère. Après ça, j'ai mis une bonne petite basse qui donne toute seule comme ça. C'est vrai que sonner toute seule, ça sonne différemment, mais parce que en fait, j'ai rajouté une deuxième basse qui n'est pas vraiment une basse, je dirais plutôt une basse shot où il n'y a pas vraiment de basse fréquence, c'est assez bizarre. Mais en fait, je la viens jouer en contre 808 avec la première, la main. Donc, dit comme ça, expliqué, c'est chelou, mais je vous fais écouter. C'est ce genre de son là. Voilà, donc là, tout seul, tu te dis, c'est bizarre. Mais avec la 808, les deux ensemble, ça donne ça. Voilà, c'est un petit peu des questions-réponses, donc ça donne ça avec le reste. Ouais, ça... J'aime trop comment ça marche, ça fonctionne vraiment bien. À cela, on a une bonne, évidemment, une crash. Oh yeah, my boy, ça crash un peu trop même. J'ai un autre instrument que du coup j'ai rajouté après, qui est celui-ci, c'est une guitare qui vient donner une bonne rythmique. Pour le refrain, on met tout, on fait tout péter. J'ai tout remis avec tous les éléments, tout ça, pour qu'on ait un maximum de dynamisme. Et je suis content d'avoir ajouté cette petite guitare que je viens de vous faire écouter. Je sais pas, elle ajoute un truc de malade. Et là, bah, au final, on a le morceau qui est terminé, hein. Voilà, c'est fini. Là, je vais pas vous dire que je vais mixer parce que je l'ai déjà fait. Donc, je vous dis juste à tout de suite. Je vous souhaite une très bonne écoute. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around and since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. Oh, on myself. Thank you.
amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'ai vraiment kiffé. The Weeknd, là, le mix entre la trap, le rap, le tout, la voix de The Weeknd. Eh, c'était la folie, t'as vu? J'ai vraiment passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu des familles, ainsi qu'à la commenter. Me dire si vous verriez un autre artiste pour que je fasse un nouvel a cappella challenge. Ça pourrait être vraiment drôle que vous mettiez vos idées en commentaire. Voilà, je lirai tout, c'est sûr, hein. Je remercie encore une fois FestView d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez checker leur site qui est en description. Allez vraiment checker tout ce que je vous ai parlé en début de vidéo. Et rendez-vous sur Insta, forcément, pour le petit concours qu'on vous a concocté. C'est compliqué, concours qu'on vous a concocté. Eh, petite punchline. Mes amis, trois choses très importantes. Premièrement, abonnez-vous en masse à ma nouvelle chaîne Raven Off, dans laquelle je fais du divertissement. Voilà, c'est une chaîne que je viens d'ouvrir. Donc si vous aimez le divertissement aussi, bah allez checker ça, c'est en description évidemment. Deuxièmement, allez me follow sur Twitch parce que je vais faire des lives. Je me répète, mais ça se trouve j'ai déjà fait un live là actuellement. Vous me regardez là, j'ai déjà fait un live, ça se trouve vous étiez même là. Donc allez vous abonner à mon Twitch. Et troisièmement, et non pas des moindres, abonnez-vous à cette chaîne. Voyons, si mon contenu vous plaît, c'est un petit bouton pour vous, c'est juste en dessous. Mais pour moi c'est tellement beaucoup, ça veut dire tellement de choses. Ça m'aide à avancer, c'est incroyable. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée de nuit, petit déj, tout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven, ciao.